Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ouvre le vlog de midi, mais j'avais ouvert un précédent vlog il y a quelques jours. Je vous mets ça maintenant. Yo la mif, hola mes ptélus. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Enfin, ça fait genre un bail que j'ai pas vlogué. Je vais tout vous expliquer, vous dire le pourquoi du comment, vous raconter ma life. Nature peinture, j'ai envie de vous dire. Alors, par quoi je vais commencer? Bon, déjà là, il est midi, j'ouvre le vlog à midi. Oui, parce que on a dormi jusqu'à 9h30, 10h je crois. Léo s'était réveillé à 8h et clairement, grosse flemme de me lever. Je lui ai donné le bip du matin dans le lit. Il s'est rendormi une petite heure, une heure et quart. Après en fait le réveil de Dadou a sonné et ça l'a réveillé. Et du coup on s'est levé ensuite, mais ce qui m'a permis de redormir une petite heure en plus. Et ça, croyez-moi les amis, quand on manque de sommeil, c'est magique. Bon voilà, début de vlog, j'ai déjà plus de place sur ma carte. Bon voilà, là je crois que c'est bon, il me reste 1h22 minutes de place. Je pense pas vous parler autant aujourd'hui quand même. Je vous disais donc là, il est midi passé, Nounou est en train de faire une sieste. Vous avez son gros lama là juste derrière moi, vous devez vous demander c'est quoi ce gros truc. Mais si vous avez vu, non attendez je vous montre son cul là. Si vous avez vu ma vidéo avec Action, vous avez vu ce qui n'est pas d'ailleurs un lama, mais j'ai quand même appelé monsieur là-bas. Lama, c'est un alpaga. Voilà, que j'ai acheté chez Action à Léo et qu'il adore. Le sujet n'est pas du tout là. Pourquoi je ne suis pas revenue plus tôt? Déjà parce que la semaine dernière, je vous ai filmé une vidéo haul Action que je vous ai postée samedi. Et j'avoue que j'en avais profité un peu pour prendre quelques jours off. Ce qui m'a fait du bien parce que j'étais fatiguée. Si vous me suivez depuis un moment, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai quelque chose, on ne sait pas quoi exactement, au niveau des articulations et des cartilages. Comment expliquer ça? En fait, je fais des inflammations, moi j'appelle ça des poussées, mais c'est pas le mot adéquat forcément. Je fais des crises d'articulations qui peuvent ressembler un peu à de l'arthrose ou à ce genre de trucs. Alors j'en ai déjà eu au doigt, j'en ai déjà eu au cartilage intercostal et j'en ai déjà eu une fois en fait entre la clavicule et la première côte, parce que votre clavicule est attachée sur votre première côte. Voilà, bref, tout ça je l'apprends au fur et à mesure en fait, à chaque fois que j'ai des crises, je dis ah ouais ça je savais pas. Et depuis une semaine, rebolote. J'en ai une au niveau de la clavicule, en fait juste ici. J'ai une crise, alors je ne pense pas, attendez j'essaie de voir dans le retour, que vous verrez grand chose. Parce qu'en fait ça fait, ça gonfle quoi. Ça c'est des chiens de mon voisin. C'est hyper douloureux. En fait au niveau de, voilà, de là où s'attache ma clavicule, c'est très gonflé. En fait j'ai une grosseur ici, mais vous la verrez pas en caméra. Vous voyez ici il y a mon os de la clavicule qui va bien. Et là ici, ça fait une boule en fait, c'est tout gonflé, c'est inflammé tout simplement. Et autant vous dire que c'est genre juste méga, ultra, giga douloureux. Pour porter mon fils, c'est compliqué. En plus de ça, du coup, je prends une mauvaise position, donc je me suis bloquée un peu au niveau des cervicales et tout. Bref, c'est relou parce que c'est franchement, c'est quand même méga douloureux. Ça fait vraiment très très mal. Et c'est chiant de pas savoir d'où ça vient, et c'est chiant de pas savoir comment calmer la douleur. Enfin voilà, ça me saoule. Enfin, sinon, à part ça, je vais très bien. Donc il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. J'ai fait des... Alors ne me demandez pas en commentaire, ça sert à rien. J'ai fait, je crois, tous les tests possibles et imaginables pour la maladie de Lyme, pour tout ça, pour tout ci, pour tout ça. Et on trouve pas. Donc voilà, bref, du coup j'étais ultra KO parce que j'endors quasiment pas la nuit, tellement que ça me réveille, ça me fait mal, je sais pas comment me mettre. Ajouter à ça, Nounou qui fait toujours passer nuit, autant vous dire que j'étais KO technique. Voilà, vous savez tout, le pourquoi du comment, je n'ai pas vlogué, clairement, j'étais pas en forme, moi j'étais pas en forme, j'étais fatiguée, tout ça, mais du coup je vous ai pris sur Instagram un peu plus je trouve. Et voilà, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est à peu près tout. Ce matin j'ai reçu deux colis, hier j'ai été en chercher un, devinez, c'est pas encore pour moi, c'est pour Léo, non, il y a deux pour lui et un pour moi quand même, mais bon, monsieur est quand même trop gâté quoi. Alors en ce qui concerne les colis reçus ce matin, regardez-moi la mignonnerie, ok, vous voyez là, on a reçu un petit colis Vert Baudet, il manque des trucs encore. En fait j'ai la chance de recevoir quelques petites nouveautés à chaque fois pour Léo et là ils m'ont laissé choisir dans la nouvelle co. Autant vous dire que j'ai craqué pour ce lot de pyjamas avec des petites pommes là, j'ai trop trouvé ça trop mignon. Et alors ça, the coup de cœur, regardez-moi cette combi en gaz mais doublée à l'intérieur. Avec des petites carottes comme ça. Je suis red dingue. Elle est splendide. Elle est vraiment trop belle. Bref, il y a encore des petits trucs qui vont arriver, il me semble. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, rejoignez-moi sur Insta parce qu'il se pourrait bien que bientôt, il y ait une petite carte cadeau à gagner. Je dis ça, je dis rien. Moi, tu sais, bouche cousue, on ne dit rien. Et oui, c'est secret.
Bon, vu la coupe, sérieux quoi. Je sais jamais quoi faire de mes cheveux. Alors je vous reprends depuis ma cuisine. Non, je vais pas faire à manger clairement. La flemme. Je voulais vous montrer, en fait, je me suis acheté ce jean là chez Zara. Et je l'aime trop, vous savez, c'est les jeans élastiques à la taille hyper taille haute. Et je le kiffe. Alors en bas, tadam. Et est-ce que j'ai pas trop la classe pour vous montrer mes outfits, hein? Alors, tadam, comme ça. En gros, il est court au niveau de la cheville. Et il est hyper taille haute, un peu style baggy en fait. Bah, je crois que sur Zara d'ailleurs, ils l'appellent comme ça. Donc je le kiffe trop, je voulais vous montrer. Il y a toute une boutonnière ici. Alors attention, il taille relativement grand. J'ai pris un 32 perso parce que en fait post-grossesse j'en ai acheté deux autres. J'avais pris un 34 et à l'heure actuelle ils sont méga trop grands. Donc je les mettrai sur mon Vinted une fois que ce sera fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout à l'ordre du jour. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça et que j'ai trouvé, regardez-moi, franchement, sincèrement, entre vous et moi, entre moi et vous, est-ce que cette surchemise n'est pas magnifique de chez Magnifique? Elle est trop canon. Bon, alors je suis fan des surchemises. Donc là, bon, il y a un t-shirt blanc qui est visiblement un petit peu transparent. Vous voyez mon soutif. Et par-dessus, bah, en fait, je passe une chemise. Et comment vous dire? Bah, cette chemise, en fait, c'est une Zara Kids. Voilà, parce que. Bah parce que j'achète chez les enfants, ouais, j'ai tellement un petit gab que j'ai tellement... J'ai plus de poitrine déjà, franchement l'allaitement ça m'a fait disparaître d'un claquement de doigts ma poitrine. Donc j'ai plus de poitrine, donc déjà pour les hauts je suis pas embêtée avec ça. Et je prends du 13 ans, 13-14 ans chez Zara et ça me va aussi bien en bas qu'en haut. J'ai un tout petit modèle. Bref, c'était pour vous dire ça, le petit tips de la journée, que si vous êtes à peu près gaulé comme moi, c'est-à-dire... avec un corps d'enfant, que c'est chiant. Et bah, allez voir chez Zara Kids parce qu'il y a vraiment des trucs chouettes. Bon, par contre, le jean, j'ai pris chez les adultes. Hein. Mais la chemise, j'ai pris chez Zara Kids. Voilà en gros le résumé de la situation. Et ça ne s'est pas arrangé en fait après avoir filmé ce début de vlog. Au final, j'ai continué à être coincée. Alors, je suis toujours là au niveau du cou maintenant. Mais ça, j'ai l'impression aujourd'hui que ça va en s'améliorant. Je croise les doigts, mais bon. Léo, ça va mieux, donc on va voir. C'est pourquoi je reprends le vlog aujourd'hui du coup. Et bah là, il est midi. Dadou est en train de prendre son café avec ses princes. L'abricot est en train de jouer juste devant son papa. Cachou mange ses croquettes. Voilà, ça c'est l'abricot qui déménage. Et puis bah moi je suis là, j'avais envie de faire un gâteau aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je vais le faire. Et puis voilà, bref, reprise du vlog complètement, bon, pas du tout dans l'ordre, bref, vous aurez compris. Et puis bah c'est parti. Bon, alors je vous reprends après 2 heures de ménage. J'ai pas tout fait, mais j'ai fait une grande partie du ménage de la semaine. Et comment vous dire que ça fait du bien. J'étais tellement coincée que franchement je dis c'est la maison, partir à l'abandon, voilà. Du coup, pendant que Léo jouait avec son papa, bah moi je me suis attelée à faire le ménage et j'ai reçu un colis, je vais vous le montrer, il est trop chouette. Alors, c'est un colis de la marque Herborian et regardez, alors attendez, tadam, je pense que c'est des nouveautés. Donc, il y avait un truc comme ça, c'est un nettoyant huile en baume au lait de sésame. Là, il y a une petite gourde, trop choupette, une petite bouteille réutilisable, trop bien. On a également un masque donc aux graines de sésame. Et là, ils ont mis des graines de sésame. Et il y a également cette nouveauté, je suppose, qui est... bah, bonne question. Donc là, on a du piment, si je me réfère à ça. C'est un masque soin concentré d'éclat. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder. Donc, c'est un gel crème booster d'éclat, peau énergisée et rechargée en éclat. Ou piment, je suppose. Enfin, faut que je dise. Hein. Voilà, pareil, j'ai le speech au fond, là. Bah, c'est trop cool. Hâte de tester ça pour voir ce qu'il en est. Et puis ça, c'est Dadou qui le mangera parce que moi, je mange pas épicé. Par contre, ça, j'aime bien, le sésame. Voilà, donc colis trop mignon du matin, je trouve. Bon, bah voilà, je me suis lancée dans le gâteau. Alors, regardez l'état de mes bananes. En fait, je les ai mises au frigo. Et elles ont noirci, mais à l'intérieur, elles sont toutes bien. Donc, bah, je vais les mettre dans le gâteau. En fait, je vais faire un gâteau au yaourt, hein. Ni plus ni moins, un truc très simple, mais je vais rajouter quelques morceaux de banane. Et je vais m'aider de ce truc. En fait, c'est le gâteau que je fais tout le temps. Mais j'ai tout le temps ce pense-bête qui est en fait un aimant pour le frigo.
Et je l'avais eu, pour ceux qui me suivent depuis un bon et long moment, je l'avais pris au magasin. Quel est le nom de ce magasin? Qui était un magasin de déco où je trouvais tout le temps un milliard de choses. J'aimais trop ce magasin. Il est fermé maintenant, mais bon, bref. Et donc, du coup, j'ai aimé de ça. Donc, il me faut du sucre. J'en ai là-dedans, mais je suis pas sûre d'en avoir assez. Donc, au pire, je rajouterai de la cassonade. Et puis, bah voilà, un petit gâteau avec des œufs de la ferme. Ce pourquoi ils sont tout moches comme ça, tout pas beau. Parce qu'ils sont sales. C'est de la crotte de poule, quoi. Donc, c'est parti! Bah, c'est un fail pour les bananes. J'en ai mangé une il y a 2 jours. Elle était toute blanche à l'intérieur. Et là, je les ai ouvertes. Elles étaient grises, noires. Donc, je les ai jetées. Je déteste jeter de la nourriture. Ça me saoule. Du coup, ça sera un gâteau yaourt nature. Voilà. Et bah, là, j'attends. Il est juste là. J'attends que le four soit chaud pour l'enfourner. Et c'est parti pour 30 minutes. Voilà. Nounou fait encore la sieste. Ça fait déjà une demi-heure. Pop, pop, pop. Bon, le gâteau est encore au four. J'attends mes parents qui du coup vont venir prendre le café avec Nounou et moi puisque... Ouais, puisque papa Dadou est parti courir et faire un peu de sport. Donc comme ça, bah, je vais prendre le café avec mes parents. Assez bizarre pour moi aujourd'hui puisque bah, c'est la rentrée des classes et que bah, je fais pas ma rentrée comme je l'ai fait il y a quelques temps et pendant plusieurs années. Voilà, vous étiez nombreuses à me demander si je reprenais. Non, je reste à la maison avec Léo voilà, je me consacre davantage à YouTube. Enfin, là je vous dis ça et la nana a pas posté depuis une semaine et demie. Voilà, bah, en même temps, j'ai pas pris de vacances de l'année. J'ai repris les vlogs et tout juste après mon accouchement. Donc je pense que j'en abuse pas trop. Donc non, je ne reprends pas. Ouais, et Léo, ça lui casse déjà la tête de se dire « Oh là là, il va y avoir la mère avec moi tous les jours. » Mais voilà, je reste avec Nounou et je bosse de la maison. Voilà, je dis pas que je retournerai jamais à l'éducation nationale, mais pour le moment, mon parcours professionnel, eh bien, il est chez moi, à bosser pour moi, pour ma boîte, etc. Voilà, puisque vous le savez, YouTube, c'est un... Enfin, vous le savez, et vous pouvez l'entendre ou pas, mais YouTube, croyez-moi, c'est un vrai boulot. Et ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, le vlog ne sera pas ultra méga giga fourni, hein, je l'entends, parce que j'ai pas une journée... Folichonne, si je peux dire ça comme ça, à vous filmer. Je fais pas des choses extraordinaires, la routine quoi, mais voilà, du coup j'avais envie de reprendre les vlogs petit à petit puisque je sens qu'aujourd'hui ça va quand même mieux, bien qu'il y a des moments où j'oublie que j'ai mal, je tourne la tête et là, pah, je fais oh mon dieu, je t'avais oublié petit articulis de merde. Voilà, bref, bah c'est parti, je vais surveiller mon gâteau parce que j'ai pas envie qu'il brûle. Bon, alors je vous reprends, il est 18h30, je vous ai complètement abandonné puisque mes parents sont venus prendre le café et au final on a été se promener parce qu'il faisait pas trop moche. Donc on a été faire un petit tour en forêt et tout avec Nounou et c'était très chouette. Ça nous a fait du bien de prendre l'air. Je vais pas vous prendre avec moi ce soir parce que on sort avec Dadou et Léo, on a un anniversaire ce soir. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de vous dire au revoir. Déjà je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas en vlog, je sais que je vous l'ai dit sur Insta. Mais on a réservé nos vacances, on part en Corse courant septembre et j'ai juste trop hâte, ça va être trop cool. J'ai si hâte de partir, bien qu'on va devoir laisser ce que vous pouvez peut-être apercevoir juste là, Dame Cachou à la maison. Mais bon, ma belle-maman passera et elle aura de la compagnie et tout, donc je me fais pas de soucis. Première fois pour l'avion pour Léo. Ça va être sport, je pense, hein, parce que bah, voyager avec un bébé, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à prévoir, il y a plein de choses à penser et tout, mais ça va le faire, il n'y a pas de souci. Sinon, que vous dire de plus? Bah, pas grand-chose, mon gâteau était très bon. Voilà, un gâteau au yaourt, ni plus ni moins, rien d'exceptionnel, mais c'était très très bon. Pour celles et ceux qui me demanderaient, puisque j'ai fait une story aujourd'hui et vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram, mon pull, c'est un Hollister que j'avais chopé sur showroom privé lors d'une vente Hollister et Abercrombie. Voilà, donc c'est un sweat qui vient de la collection homme, hein, mais comme d'hab, vous le savez, je prends toujours... très large et tout, j'aime pas être moulée dans mes vêtements, mais j'ai pris en taille XS et au rayon homme, du coup ça lui donne un aspect quand même oversize, donc je kiffe. Il est tellement confortable, vous le verrez peut-être pas, mais il est tout pilou à l'intérieur. Et aujourd'hui bah, il faisait quand même relativement frais à Paris, donc
le pull était de rigueur. C'est à peu près tout, je vais vous abandonner là pour ce vlog qui n'aura ni queue ni tête, ni sens, ni beaucoup de choses à vous montrer, mais voilà, je reviens en douceur puisque franchement, j'ai toujours mal, mais je sens qu'aujourd'hui ça va quand même mieux, donc je croise les doigts pour que demain je n'ai plus rien. Oh là là, j'ai si hâte et j'espère que ça va pas durer très longtemps et que ça va surtout pas revenir d'ici tôt, d'aussitôt pardon, puisque bientôt je reprends la danse et j'ai trop hâte, je vais m'inscrire à la danse samedi. Donc trop pressée parce que ça va être ça va faire du bien, il y a eu le confinement et tout, et avant ça j'avais pu reprendre que deux cours post-accouchement, donc franchement ça me manque, ça fait un moment que j'ai pas remué mes fesses et clairement j'ai envie. Ah si, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout à l'heure j'ai appelé les bébés nageurs puisque je compte faire les bébés nageurs avec Léo. Et normalement ça devrait se faire pour cette année, donc trop chouette aussi. Je vais vous laisser, je vous dis à très très vite, je ne sais pas quand, on verra bien. Je vais prendre des vacances, je vous le dis, donc clairement pendant les vacances je pense pas vlogger, j'ai vraiment envie de prendre de vraies vacances, ça fait un bon moment et voilà, mais par contre suivez-moi sur Instagram parce que je vous partagerai plein de choses. Bref, d'ici là je vous retrouverai en vidéo je pense, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.